Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 1er décembre 2014. Et tout d'abord je voudrais m'excuser pour cette euh, présentation, mais la plateforme Pro time ne voulant pas démarrer aujourd'hui, eh bien je suis contraint de vous présenter cette analyse technique sur une plateforme euh, MetaTrader que j'ai dû euh, reconstituer euh, à la hâte avec euh, les, les indicateurs que vous avez l'habitude de, de voir, bon à part les volumes qui ne sont pas présents euh, sur, cette, euh, sur cette plateforme. Voilà, mais c'est pour... Euh, volonté indépendante de ma part donc malgré tout ce que l'on voit aujourd'hui sur cette séance et eh bien c'est que nous avons euh, une, une séance qui est venue donc marquer un, un mouvement baissier puisqu'après une ouverture ici sur la zone de support qui avait été définie vendredi sur le retracement de Fibonacci on est venu s'enfoncer un petit peu donc on a bien enfoncé ici ce retracement de Fibonacci avant de revenir à la hausse en perdant euh, environ euh, 0,30% euh, 0.29 exactement ce que met en ce que met en lumière cette configuration c'est que nous avons déjà donc cet enfoncement du retracement de Fibonacci avec euh, donc des cours qui euh, s'enfoncent sous cette zone de support à 4352 points et qui vient presque chercher ici cette zone euh, cette zone de retracement à 38,2% qui se situe juste au-dessus des 4326 points donc on a ici on matérialise un petit peu suite à la dynamique que nous avons eue et eh bien des cours qui commencent à se à se affaiblir et donc qui, qui commence à se rapprocher ici de la zone de support qui définit le fond de, de la tendance. Malgré tout le MACD lui reste haussier, on a un RSI qui est proche de sa zone de surachat mais sans y rentrer et le stochastique donc est en train de lancer un petit signal de vente puisque on peut le voir sur cette euh, voilà sur cette phase. On a ici donc un indicateur qui commence à sortir de la zone de surachat avec euh, un une amplitude avec donc son sa ligne de signal qui, qui est croissante hein. donc ça peut euh, préfigurer d'un signal de baisse donc ce qu'il faut attendre par rapport à cette séance c'est eh bien c'est une confirmation qui de consolidation donc qui pourrait venir d'une rupture de cette zone ici 4350 points on a le retracement de Fibonacci on a euh, la zone horizontale si on vient à casser un peu plus et donc à s'enfoncer sous cette zone et notamment à clôturer en dessous, puisque pour l'instant on n'a pas encore clôturé sous cette zone, eh bien donc l'objectif ici sera de venir chercher cette zone de retracement qui se situe à 4325 points. Dans la continuité, si les cours continuent ici à baisser, on peut venir chercher ici cette zone de support. Donc ce support, je le rappelle, c'est tout simplement le support du, du, du rebond hein, tel qu'il est défini par maintenant plusieurs points euh, significatifs. Donc on le voit sur cette phase ici, tant qu'on ne revient pas ici casser cette zone de support, il n'y a pas de remise en cause du fond de la dynamique. On est ici sur une tendance relativement... Euh, relativement régulière, le fait d'avoir réussi une forte accélération, phase de stabilisation, on oscillait donc dans la zone euh, 0,23,6% en termes de, de retracement. Et donc le fait que l'on arrive ici sur une fragilisation de cette zone, et eh ben, va dans la continuité où on peut revenir. Je dirais même si on enfonce un petit peu ici la zone de support, hein, cette zone de support qui était précédemment positionnée d'une manière légèrement plus dynamique, euh, on l'a repositionnée du fait que euh, cette zone ici de points bas eh s'est affirmée comme une, euh, comme une zone significative, puisqu'elle a provoqué un rebond avec de nouveaux plus hauts. Là, si les cours venaient par exemple à, à fragiliser cette zone, voire même à la casser, si on revenait ici sur cette zone des 4261 points, eh bien, on serait tout simplement sur une zone précédemment de résistance qui pourrait être confirmée comme zone de support. Donc là, je dirais que sur cette zone, même si effectivement on aura un retracement supérieur au 61,8 qui nous ramènerait euh, possible euh, avec une possibilité de retour ici sur cette zone euh, de retracement à 100%, à savoir sur les 4200 points, mais on peut aussi malgré une attaque ici sur le 61,8 venir tester cette zone et remonter donc il y aura de toute façon euh, sur une éventuelle phase de baisse des zones de, de rebond qui pourront venir se mettre euh, se mettre en place pour l'instant en tout cas là on est dans la euh, je dirais qu'on est on, on, on tente une anticipation pour l'instant nous avons juste une attaque de cette zone de 23,6 on reclôture au dessus donc on est toujours potentiellement sur une continuité haussière le 38,2 n'ayant pas été atteint en plus, on a donc pour l'instant un signal d'une dynamique qui est relativement forte. Après cette forte phase de hausse, on n'a pas eu de gros signal de consolidation. Donc là, on a toujours une possibilité de rebond. On est venu marquer un petit mouvement de consolidation. Si dans les prochains jours, on venait à, à, comment dire, à accélérer ici à la hausse et à casser cette zone des 4400 points eh bien on pourrait se rapprocher des 4510 qui est euh, l'objectif logiquement de cette de cette phase de, de consolidation donc les points à surveiller pour demain 4352 toujours cette zone ici euh, de support et euh, retracement à 236 vu qu'on l'a attaqué aujourd'hui mais qu'on a reclôturé au dessus tant que cette zone tient et eh bien on est toujours dans une perspective de continuité haussière avec ici cette phase de consolidation malgré une petite attaque qui pourrait repartir vers le haut et qui sera confirmé par une éventuelle rupture des 4404 points et donc euh, par voie de conséquence à la hausse on surveillera cette zone des 4404 points qui en cas de rupture suite à, suite à, ce, suite à cette phase de baisse ici qui pourrait marquer une petite phase de consolidation minime certes mais, elle a, mais au moins le mérite d'exister et eh bien nous donnerait sur une rupture haussière une, un signal de euh, continuité donc dans le sens de la tendance. Donc à surveiller demain 52 à la baisse et 4404 à la hausse sachant que sur un mouvement haussier et eh bien l'objectif euh, à terme sera de celui des 4509 points Et sur une rupture ici des 52 et eh bien on viendra chercher la zone des 4325, 26 qui est le retracement des 38,2% de Fibonacci. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Du, du CAC 40. Alors euh, aujourd'hui donc il y avait un fixing, c'est ça qui gagne sur cette session. Donc euh, bravo à toi ça. Et puis en ce qui concerne les statistiques, bah, j'en profite de, de faire l'analyse sur la même plateforme que celle que j'utilise pour les statistiques pour vous montrer un petit peu euh, l'envers du décor. Donc là voilà, ce sont les résultats tels qu'ils sont euh, tels qu'ils se présentent avant qu'ils soient synthétisés dans l'analyse la, dans écrite. Donc là on a la, la, la première recherche statistique, euh, je dirais. Euh, initial donc sur une seule bougie donc pour une configuration équivalente voyez qu'on a une, une probabilité ici alors à 52% sur des trades longs alors il y, y a un petit bug hein, il faut le savoir sur la, la plateforme on a un total de trades ici de, de 23 et donc on a un là si on prend les longs gagnés on a 23 aussi on a 52% donc en fait le bug il est là hein. il est soit là soit là quand on a une, une position short donc on a ici 52% de, de probabilité antérieure euh, haussière, on le voit bien ici, sachant qu'on avait 23 trades, donc nous avons euh, logiquement euh, gagnant voilà, 12, 12 sur 23, donc c'est vraiment très équilibré avec euh, un, taux de, un taux de réussite, euh, le pourcentage, je dirais même le facteur de profit ici à 1,11 montre qu'il y a très peu de... Que les, 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 je dirais les relations sont assez équilibrées. On a pas mal de chutes à hein. 1,43% d'enfoncement de, relatif sur un total de 23 trades. C'est pas mal. Donc voilà. Déjà un premier aperçu qui nous montre que on devrait avoir euh, quelque chose d'assez équilibré pardon, sur les statistiques de euh, ce soir. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades. Et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses technique sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.